Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 16ème épisode de notre Nuzlocke Challenge sur Pokémon Glazed, acte de Pokémon Rose sur GBA. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc, on se retrouve au centre Pokémon, enfin devant le centre Pokémon de Surnerly City, on s'est arrêté la dernière fois, après un épisode riche en trolls, en émotions et en nawak, hein, de manière générale, on va pas se le cacher. C'était du grand nawak, l'épisode d'hier. Et du coup, entre-temps, il y a eu de l'entraînement parce qu'il y a eu des pertes. Et il s'est passé pas mal de choses pendant l'entraînement. Enfin, pas mal de choses, à part le fait que j'ai fait 15 000 fois le phare pour gagner l'XP. D'ailleurs, pour le phare, je n'ai pas été prendre le moindre évolu, parce que de toute façon, bon, je sais que vous en voulez pas. Je vais pas surcharger ma boîte inutilement, parce que surtout si après, il faut que je les relâche, ça va faire « Hey !» Il faut que j'en relâche 3 fois plus. Youhou ! Et il y a aussi un autre truc qui a été signalé, c'est dans la ville qui est au-dessus de nous, le Cap Azur. Si vous vous souvenez de l'épisode précédent, il y avait un item qui était derrière un buisson avec coupe et je me suis dit, ah, vas-y, flemme de le prendre, on verra plus tard. Mais j'ai surmonté ma flemme et j'ai été voir ce que c'était tout à l'heure pendant le montage d'entraînement. Et il se trouve que c'était la CT30 Balombre, autant dire que ça valait le coup d'aller voir. Et vous allez voir aussi que pendant l'entraînement, j'ai un peu refait certains sets. Allez, je vais vous montrer un peu ce à quoi ressemble l'équipe, qui a pas mal évolué. Donc nous avons Tails, notre Mustafleu de niveau 41, j'ai un peu débordé pour lui parce que j'avais oublié qu'on devait réaffronter les snowboarders sur la route de glace qui mène à la 5ème arène, ce qui fait que du coup, bah, il a un niveau de plus que les autres. Et son set, Machouille, Ébullition, Surf et Laser Glace. Nous avons ensuite Jex, notre Junko de niveau 40, qui connaît Hat, Taillade, Dracogriffe, que je lui ai appris grâce à la CT qu'on avait trouvé l'épisode 7 je crois, et la feuille. Hati, notre donfant de niveau 40, peut être le seul dont le set n'a pas changé, qui connaît toujours séisme, force, boule armure et roulade. Parmi les petits nouveaux, nous avons Sub-Zero, le Givrali, niveau 40. On l'a obtenu à l'épisode, il y a un épisode ou deux, je crois. Et là maintenant, il est prêt à taper dans le tas. Son set, Laser Glace, Balombre, Éclatroc et Vibraquois. Autant dire que maintenant, ça va chier des bubules si t'es en face de lui. Ensuite, la bonne surprise. Lola, le grand bull, niveau 40. Ce machin tape comme une brute. Son set, câlinerie, mini-queue, morsure et séisme. Regardez juste cette set d'attaque. 117. Comparé là un peu au reste du groupe. 66 pour Givrali. Il est quasiment au même niveau que Donphant. Il est même plus haut que Mustéflotte. Autant dire que c'est un Pokémon qu'il ne faut pas prendre à la légère. Avec une attaque fée et une attaque sol, vous faites tout le phare, ça suffit largement. Le Beto Chef qui est à la fin, qui est niveau 32, je le one-shotais en étant déjà niveau 30 avec Kalinry, c'est obscène tellement il tape fort ce Pokémon. J'espère sincèrement, et j'espère qu'Arceus m'entend, qu'elle va rester longtemps dans l'équipe, parce que franchement, ce serait super de vraiment voir ce qu'elle vaut à haut niveau, parce que c'est déjà à niveau moyen, elle dépop déjà pas mal sa maman, alors vous imaginez pour la suite. Et enfin, le petit dernier, Trivium, le solo cheat niveau 40, il connaît Machouille, Déflagration, Balombre et Dracosouffle. Alors, Dracosouffle c'était déjà fourni de base, Machouille il l'a appris par level up, et les deux autres attaques ont été apprises par CT, si vous vous souvenez, Déflagration. Je l'avais acheté quand on était au grand centre commercial de Seasploy Town, et je me suis souvenu que la famille Trioxyde pouvait l'apprendre. A noter que si jamais on a besoin de libérer pour un autre type de monde, on peut toujours lui apprendre Surf. Je doute qu'il vibre obscur ou un truc ténèbre spécial là-dedans. Si jamais il y en a, faites-le moi savoir, parce que concrètement, ça m'aiderait bien, ça ferait un très 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 bon stab pour Trivium. Donc autant dire que, voilà, là il s'est passé des choses, et, ah oui, dans les choses qui se sont passées, j'ai failli oublier, j'ai exploré un petit peu des routes qu'on peut explorer grâce à Surf, et j'ai capturé deux Pokémon dans trois zones maritimes. Je vais vous montrer ça. On commence donc par Carlo, le Tentacool de niveau 10, sur référence Carlo de Bob l'éponge, dans la baie de Seasploitant qui a une nature mauvaise et plus attaque moins défense P, niveau 10 avec simplement Darvenin et Ultrason. Et voilà, et dans la ville de Seasploitant où on peut surfer, j'ai capturé un Psychoquoi que j'ai renommé Ultra Vomit en référence au Wedlock, nature hardy avec Tourniquet, mini-queue, entrave et choc mental. Voilà, ça c'est fait. Et j'ai été également explorer, je vais vous montrer ça sur une carte de la région. Voilà, si vous voyez cette route qui part ici, le Sohill Strait. Je l'ai exploré, et ma rencontre, c'était un Goélise. Vous connaissez tout le bien, je savais tout le bien que je pense de ce Pokémon.
J'ai préféré lui démonter sa tronche juste histoire d'être tranquille et de continuer. Et l'île qui est là, qui est l'île de où habite Sohil, je l'ai explorée, il y a juste sa maison. Et en fait, il nous apprend que c'est un membre d'un conseil des cas dans une autre région, il demande si on veut se bastonner. Je me suis fait avoir par un type que je pensais qu'il allait donner un truc avec des level 50, là j'ai dit tot tot tot. Si t'as dit membre des conseils des 4, ça veut dire que je suis pas au level, ça veut dire pas tout de suite. Mais du coup voilà, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je vous propose d'explorer tranquillement la ville, et si je me souviens bien, on nous avait dit que le champion n'était pas dans son arène. Donc on va voir ce qui se passe. Bonjour. Ah oui, toi t'as déjà... Je crois que vous avez parlé à tous les deux, hein. Enfin, toi, Evoli et Montali et Noctali, je me rappelle, on a dit ça la dernière fois. Apparemment, le champion est également pompier. Très bien. Bjur. Alors, tu espérais voir Joto d'ici, mais c'est trop loin, ouais. Donc, Ernest, voilà. Donc, normalement, voilà, la porte est fermée parce que l'arène est fermée, bien sûr. Alors, la forêt d'Espo, il y a beaucoup de tipsy. Ah, ça peut me plaire, vous savez que j'adore le tipsy. Je me demande d'où ils viennent. Bjur. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, donc il nous explique les types spéciaux, mais bon. Comme il y a la séparation spéciale physique, comme on a telle qu'on la connaît dans les jeux actuels, mais c'est quoi ces boutiques de merde? Il n'y a même pas total soin, il n'y a même pas d'hyper potion. On va te faire mettre. Alors, je jette rien, moi. Ok, alors là, non. Là, on est dehors, je vais finir d'explorer la ville avant. Bonjour. Il y a un aéroport, d'accord. Ah oui, effectivement, ça a l'air d'être une piste de décollage, ça. Bonjour. D'accord, donc il faut un billet pour voler. Pardon, jusqu'à Joto. Yo. D'accord, donc il n'y a pas de test de l'air. On voit ça parce que dans les six, ça s'explore relativement vite. Ok. Ok, toi t'es machin, c'est pas monsieur, c'est pas sorcier. D'accord, et ce qui est marrant, c'est... Voilà. Ce Voltali dit quelque chose d'assez logique. Les avions volant dans le ciel ne sont pas affectés par la foudre. Mais, les Pokémon de type vol sont faibles aux attaques de type électrique. C'est bizarre, hein. C'est vrai que ça fait partie de la logique de Pokémon qu'on n'arrive parfois pas à expliquer. Mais bon. Donc, s'il manque un champion, ça veut dire qu'il faut aller le chercher. Et je vous propose d'aller dans la zone à côté pour voir si là en plus on peut se choper une nouvelle rencontre puisque nous sommes donc Espo Clearing, la clairière d'Espo. Il faut surfer, bonjour monsieur. Alors la forêt d'Espo est assez effrayante. Tu ne quitteras pas, ouais, tu resteras dans le coin de Sodorlisti. Ok. Bah écoutez voilà. Je vous propose d'obtenir une grande rencontre qui sera. Eh ben voilà. Un Filali. Quand je vous disais qu'on pouvait trouver des Filali sauvages. Le problème, c'est que j'ai un peu trop de niveau par rapport à lui. Je sais, hein, peut-être qu'un éclat de troc de Sub-Zero suffira. Parce que je sais qu'il est bon sur la défense physique, lui. Oh oui, allez, on peut même s'en refaire encore. Ça suffira, je pense. Allez, Hyper Ball, c'est parti. Allez, reste là-dedans. J'ai dit, reste là-dedans. Je vais te switcher, je vais envoyer Lola. Histoire de baisser un peu cette attaque. Allez. Ah, le pire c'est que je peux même pas te paralyser ou faire quoi que ce soit, parce que sinon je vais te mettre KO quoi, enfin. Allez, Super Bowl. Ah bah voilà. Il est resté là-dedans, c'est parfait. Donc Filali, le Pokémon verdoyant. Donc grâce à sa structure cellulaire proche de celle des plantes, il réalise la photosynthèse dans son corps et crée de l'air pur. Il recycle, hein, c'est un écolo. Alors, quel nom je vais pouvoir te donner? Parce que c'est peut-être la première fois que j'ai un Filali. Quelque part, je veux dire, c'est aussi la première fois que j'ai un Gégivrali. C'est la première fois que je teste ses évolutions. Alors, Filali, comment puis-je t'appeler? Quel nom est-ce que je peux te donner? Un truc qui soit en rapport avec la nature, déjà de base. À la limite, est-ce que je ferais ça? Me poser la question. Remarquez, on peut le faire. Je vais utiliser un nom que j'avais pas utilisé dans le Wedlock sur le métal et qui là me paraît parfaitement adapté. On va prendre
un groupe de... Alors, quelle apostrophe ici, ouais. On va prendre le nom d'un groupe de... d'un groupe symphonique norvégien. Hop. Qui s'appelle Livzai. Qui est vachement sympa d'ailleurs à écouter si jamais vous connaissez pas. Donc c'est du symphonique avec... ça va pas trop dans le growl, c'est vraiment... C'est du temps, c'est sympa. On va voir un petit peu les stats. Donc de l'ami Livzai. Jovial. C'est pas mal pour un Fidali. C'est même plutôt bien. Et donc... Limiqueux, jet de sable, tranche herbe et... Il attaque. Parfait. Donc ça fait notre rencontre pour la clairière d'Espo. Donc maintenant on va aller voir ce qui se passe dans la forêt parce qu'on a un peu un champion à les récupérer. Oh, bonjour madame. Tu es donc... Ah, j'allais dire, tu es un Kinesis, bah écoute, hein. Machouille. Et, Machouille. Ok. Il y a peut-être un item par ici. Je vois une case où il n'y a rien. Oh, il y aurait pu avoir des Megavolts, ça j'aurais voulu aussi. C'est pas un mauvais Pokémon, hein. Bon, même si je suis arachnophobe, mais ça, c'est un détail, bien sûr. On va peut-être changer de Pokémon en tête pour la zone. Allez, on va y aller avec Granbull pour changer. Et ce que je vais faire maintenant, c'est comme je l'ai expliqué à l'épisode précédent, je vais commencer à entraîner les Pokémon par deux. Un qui est devant, qui chope l'XP, et un qui la récupère passivement avec le Multi-Ex. Et je pense que ce Pokémon qui va récupérer l'XP à coup de Multi-Ex, ce sera Trivium. Alors, voyons voir là-dedans. Nouvelle zone. Notre rencontre sera... un Mistybule. Pardon. Allez, on va faire des... on va y aller à coup de machouille. De morsure, pardon. Ok, c'est parfait. Il connaît déjà Kalinri. Are you fucking serious? Et ben voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors c'est un Pokémon long cou. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a la tronche de Mistybule, le nom de Mistybule, mais plein de trucs sur Girafarig. Je veux dire, ok, c'est peut-être son numéro national à Girafarig, mais quand même, monsieur le hacker, t'aurais pu changer, je sais pas moi. Donc, oui, je vais changer ton surnom, je vais te donner un surnom, et je vais t'appeler comment? On va peut-être essayer de faire une référence, je sais pas trop. On va te donner un nom, bien sûr, dès que qu'un nom m'aura popé à l'esprit, évidemment, sinon c'est pas drôle. On va t'appeler comment? On va t'appeler... Je vais te voir là dans les jeux anthologiques des références, genre des noms de boss, des noms d'ennemis, ce genre de conneries. On va t'appeler... Je sais pas comment je vais t'appeler, tralala pote pote, tralala pote pote, tralala pote pote, coin coin. Tout en plus, je veux dire, à part la grande gueule, tu vois pas grand chose. Réfléchis, s'il y a pas un... pas grand chose en fait, c'est ça qui pue du slip. Bon bah tant pis, on va t'appeler, on va trouver un autre surnom à la con. Au pire, on va encore prendre un nom issu de la diaspora du métal, et on va t'appeler Iron Maiden. Voilà, comme ça c'est fait. On va utiliser les hyper potions, je vais les remonter, parce que ça peut être toujours... ça sera toujours plus utile en haut qu'en bas. Hop, des points de vie, et je vais utiliser des repousses, très bien. Bonjour monsieur, c'est pour un combat, bien sûr. Un Kirlia. Allez, morsure, ça doit... morsure, ça suffit. Métang. Séisme, bitch. Terral, séisme, bitch. Parfait. Continue. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu as? Oh, pop-pop-pop-pop-pop-culbutoké. Alors là, c'est simple. Il y a la technique anti-culbutoké. Si vous avez un move qui booste vos stats, ou qui... baisse celle de l'autre, on va le spammer. Hop, moins 2, moins
3, 4, 5. Voilà, parfait. Surtout quand vous le voyez utiliser prélèvement destin, n'attaquez pas. Faites n'importe quoi. J'ai dire balancer, je sais pas, utiliser une potion sur un bonbon qui revient. Même balancer une Pokéball si c'est un Pokémon d'un dresseur, on s'en fout. Vous perdrez un tour et vous serez pas affecté par le prélèvement destin de cette saloperie radioactive de Culbutoke. C'était 06 toxique, ça c'est bien. Il peut toujours être utile si on a un Pokémon un peu plus défensif. Bonjour. Je vais t'affronter si tu veux. Oh, un Flagados. Pas mal. Pas mal du tout. Très bien, bon je te termine avec, avec un gros câlin. Je sais pas vu ce que c'était, c'était un Wagada probablement, ouais. Oh c'est moche. Kalinri fait des dégâts de folie quoi. On va utiliser le dernier soda qui me reste. Et ça va être... Allez tiens, Sub-Zero, tu vas aller en tête. Là, je vois un objet par ici. J'ai cherché le champion et c'est toi qui es là. Ah, c'est toi Babou. Viens, je vais te dire quelque chose. Ce sanctuaire... c'est pas vraiment un sanctuaire, c'est... Cet hôtel, voilà. Cet hôtel a été construit il y a longtemps, afin de donner des offrandes à Mew. Parce qu'on pensait qu'il vivait ici. C'est tellement relaxant et... Enfin, cet endroit est tellement relaxant et paisible. Si j'étais Mew, j'y vivrais aussi. Plus tôt dans la journée, j'ai affronté Gray, le dernier précédent champion, et je l'ai battu. Ce qui veut dire que je suis le nouveau... Enfin, le dernier... Parce que je suis le nouveau maître Pokémon. Maintenant que je suis maître Pokémon, j'ai encore plus de travail. J'ai peur de ne pas pouvoir m'occuper des problèmes comme la Team Fusion. Plus de pouvoir, pardon. Tu as senti ça? Ça recommence, n'est-ce pas? Eh Blake, Babou, il sait bien de voir vous ça, de revoir vous si. Vous comportez comme si vous nous attendiez. Les chances que vous nous rencontriez dans deux endroits différents sont très... faibles. Issa, pour autant que Missa concernée, Missa peut sent... T'as le mec qui peut sentir des perturbations dans la force, c'est bon. Je vais donner une bonne Star Wars sans faire exprès. Sortez au fait. Dire bon, ouais. Moi je vois I can feel disturbance, j'en joue tout de suite in the force. C'est-à-dire c'est Star Wars, merde. En plus on est à deux mois du... Enfin à moins de deux mois du prochain film Star Wars. S'il vous plaît le loupez pas, s'il vous plaît le loupez pas, faites pas de la merde. Voilà, ça c'est fait. Missa peut sentir perturbation dans le tissu, dans le continuum espace-temps. Et n'importe qui peut ainsi, hein, si Tissa te concentre suffisamment, Tissa peut. Mais Missa doit dire vous si quelque chose d'important. Missa faisait recherche sur lien entre monde Pokémon et ce monde, et Missa trouvait quelque chose. Il y a 50 ans, un article de journal a été imprimé à propos de... Non, le portail va vous réinspirer. L'article disait qu'un rose... Enfin qu'un... On sait qu'il y a un truc rose. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous ne pouvons pas attendre que tu aies ton 7ème badge. Nous devons aller à la tour temporelle. Maintenant. J'ai comme la sensation que nous trouverons ce dont nous avons besoin. Mais avant cela, il nous soigne, ça c'est gentil. Désolé de te traîner là-dedans, mais deux personnes peuvent faire le travail d'une nettement plus facilement. Corbos, utilise vol. Ok. Ah, ça m'a l'air tranquille, mais je ferais mieux d'aller voir. Ok. Donc, on est... dans la zone qui donc si on continue vers l'ouest on devrait revenir à Chocotan, mais on est dans la mer du temps. Si, voilà, enfin, voilà, on est dans la tour, donc du coup on peut se choper des rencontres. Voilà, je repousse c'est... Tentacool, on a déjà, c'est un doublon. Ah, allez, on va le capturer puis on va l'appeler Nope. Voilà, je vais même pas lire ta description parce que non, toi tu mérites en majuscule Nope. Voilà, tu vas t'appeler Nope. Il y a des Kabuto sauvages, intéressant. Et là, normalement, on a la mer du temps. Et vous remarquez que c'est vraiment coupé de tout le reste, c'est pour ça qu'il fallait nous y rendre. Alors, Tentacool, on a déjà.
Tentacool, on a déjà. Si je peux avoir autre chose, s'il vous plaît. Goélise, on a déjà. Tentacool, vous savez quoi? On va déclencher un compteur. Si dans 5 rencontres, il n'y a rien de nouveau, pas de rencontre. Alors, 5. Enfin, 1 sur 5. Deuxième rencontre sur 5. Voilà, oui, je spam l'accélération pour trouver la rencontre plus vite. Troisième rencontre, toujours pas. Quatrième rencontre. Dernière chance. Merde, je crois que je suis retourné dans l'autre zone. Oui, je suis retourné dans l'autre zone. Dernière chance. Bon, et eh ben pas de rencontre pour la mer du temps. Allez, je vous propose de voir un peu ce qui se... Et c'est encore lui. Encore toi, bordel de merde. Comment t'arrives toujours à nous trouver? T'es rien qu'un colmiché, et je te ferai bouffer tes parents. Est-ce que je suis maudit au point d'avoir mes... Au point d'avoir... C'est bip. Il y a même de la censure dans son dialogue. Mais lol. Au point d'avoir mes plaies déchirées... Enfin, au point d'avoir mes plaies s'ouvrir... Tous les... Bip. De jour... De journée... De jour... Maintenant, je vais te péter la gueule. Je vais te latter les couilles. Écoute, ma bien. Pikachu. T'es vénère. T'es un jeune d'un quartier pas top, ce que tu veux, t'as tes origines. Mais, mon petit, tant que j'aurai un Pokémon de type sol dans le groupe, tu crois sincèrement que je vais faire autre chose qu'utiliser ce Pokémon? Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans ce métier, tu ne seras jamais Golso. Tout ce que tu peux faire, c'est spammer Hat. Moi, tout ce que je peux faire, c'est spammer Séisme. À ce petit jeu-là, c'est moi qui gagne. Ah, bordel de merde, je me suis encore fait battre par le petit con qui m'a dégagé de chez moi. Je t'ai dégagé de chez toi? Tu veux dire que l'endroit où t'as attaqué mes parents à l'épisode 2 qui est à côté de chez moi, c'est chez toi? Et tu me poursuis pour ça depuis 15 épisodes? T'as rien de mieux à foutre, Pikachu? T'as rien de mieux à foutre dans ta vie? Sérieusement, je te pose la question. Et tu me réponds. Même si t'es qu'un tas de pixels dans un jeu à qui tu peux pas parler. C'est pas juste! Ouais, c'est ça, t'as raison, c'est pas juste. Je vais dire au reste de la Team Fusion que t'es arrivé. C'est... Eh, c'est pas juste non plus. Je m'en fous. Tu es dans la merde. Tu es dans la merde. Tu es dans la merde. A plus, connard. Ouais. Eh ben, je crois. Tu sais quoi? Je pense que ce qu'il y a dans cette tour là, je vous propose qu'on le découvre la prochaine fois. Et ça fait à peu près 25 minutes si on compte, 26 même si on compte. Le montage entraînement, c'est une bonne durée. Avec ça, ça va nous faire encore un petit peu d'entraînement pour aller faire le badge la prochaine fois. Écoutez, ben, je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de démonter la face de ce bouton j'aime pour montrer votre soutien qui fait toujours plaisir à voir. Je le rappelle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, par la chaîne autour aussi le cœur vous en dit tous, vous le savez. Et donc en attendant la suite, on va explorer cette tour et il y a de fortes chances qu'on se farcisse l'arène en plus. Comme ça, c'est gratuit, c'est cadeau, je vous ferai les deux pour le prix d'un si on a le temps. Et écoutez, en attendant tout ça, moi je vous remercie une nouvelle fois de votre soutien. Ne changez pas et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Ouais.